Le théâtre, en compagnie de Michel Piccoli, qui est ce soir notre invité en direct de Nanterre. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Nous allons nous arrêter quelques minutes sur une pièce de Shakespeare, Le Comte d'Hiver, pièce qui sera jouée à partir du 8 mars prochain au Théâtre des Amandiers, à Nanterre précisément. Le Comte d'Hiver est l'une des dernières pièces de Shakespeare. Certains affirment que c'est la plus belle. On y découvre tour à tour la jalousie, la tragédie, la violence, l'amour. L'extrait que vous allez voir se situe au tout début de la pièce, à l'instant où l'univers du roi de Sicile, incarné par Michel Piccoli, est en train de complètement basculer. Reportage de Michel Strulovici et Christian Hiroux. Chimie de la répétition pour un conte magique. La jalousie mise en scène. Michel Piccoli, un roi emporté par la folie, la déchirure dans tous ses états. Alors vous avez su dire, je suis à vous pour toujours. Ainsi donc, j'aurais bien parlé deux fois. La première pour retenir mon royal époux pour toujours. La deuxième pour retenir un ami pour un instant. Un geste, un seul geste et le monde bascule. La trahison est là, au cœur du bonheur. Mais la jalousie est un phénomène énigmatique quand même, je dirais. Eh oui, parce que... Quand commence-t-elle? Quelle est l'origine? Est-ce qu'elle existe? Elle est préexistante ou est-ce qu'il faut quelque chose pour faire provoquer de la jalousie? Personne ne le sait encore. Et cette pièce non plus, elle ne fait pas semblant de savoir. Mais elle la montre dans ses moments les plus étouffants et violents, je pense. Et dramatiques. Oh! J'en ai mal à mon cœur. Mon cœur danse et ce n'est pas de joie. Non, pas de joie. On peut tranquillement montrer de l'hospitalité. Il n'y a rien à dire à cela. De la gentillesse, des attentions, de l'intimité, tout cela est correct. Mais de là, à se frôler les paumes, à se passer les doigts, comme ils sont en train de le faire, avec ses soupirs, comme dans un miroir, et ses cris de biche à l'agonie. Ah!